Attends deux secondes, je regarde genre. Tu fais quoi? Ah frère, c'est bon. Calme-toi, calmez-vous. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon poteau Kashek. Salut à tous. Donc je vous mettrai son Instagram juste ici, allez le follow en masse, allez lui donner de la force. Vas-y, présente-toi vite fait si tu veux. Moi c'est Kashek, donc ça veut dire musclé en russe pour ceux qui savent. Mon Instagram c'est un petit peu du sport, il y a des vidéos de sport, de la diététique, nutrition, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, allez lui donner de la force car aujourd'hui on va vous faire un prank de ouf. On va tout simplement piéger un escroc sur Facebook qui vend une fausse montre Hublot, enfin qui veut me l'échanger contre ma vraie montre Versace. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien assuré, j'ai bien vérifié que c'était une montre de contrefaçon qu'il vendait. Bien sûr, lui, il m'a assuré que c'était une vraie. Je lui ai fixé un rendez-vous et on va tout simplement se rendre sur le lieu du rendez-vous pour le piéger. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire et on se retrouve directement pour le moment du rendez-vous. Bon, les gars, là, je suis en place. Je crois que c'est eux là. Je viens de les voir arriver. Je repère leur voiture. Ah, les gars! Ah, c'est eux, c'est eux. Ah gros, excuse-moi. Frère, excuse-moi. C'est toi pour Facebook? Tu m'appelles, tu crois? C'est toi là qui m'a parlé sur Facebook là? C'est toi qui m'a parlé sur Facebook, c'est moi qui m'en vante. C'est lui qui m'a parlé sur Facebook? Hein? Tu vois quoi? Tu veux quoi? T'es venu pour la montre. C'est toi qui es venu pour la montre. Ah, c'est pour la montre? Oui, ça. Ah ok, non mais je parle à tellement de monde sur Facebook, tu vois, moi j'ai 2300 amis sur Facebook, je suis une star. On s'en fout des amis. On est venu pour la montre. Ok, non. Non, 2300 amis, je m'en fous, moi. Tu viens prendre ma montre. T'es venu avec ton mec, du coup? Mon frère, son frère. Ah, c'est ton frère? Ouais. Et lui, c'est toi? On a la même tête. Et lui, c'est qui pour toi, genre? Lui, c'est mon frère et moi, je suis son frère. Ah, tous les deux frères en même temps? Tous les frères, ouais. T'as pas de frère? Ouais, même pas, simple. Non, parce que moi, j'ai un frère, genre, t'as vu? Ouais. Mais aussi, mais, genre, moi, c'est mon frère à moi. Mais lui, pour lui, moi, je suis son cousin, genre. Mais toi, tu dois venir du Nord, toi. Comment tu sais? Mais parce qu'ils sont tous consanguins là-haut. Mais comment ça, ils sont tous consanguins là-haut? Vas-y, c'est moi, on s'en fout, t'es venu pour la montre ou pas? Parlons de la montre, mais c'est elle la montre qui m'a proposé. Ouais, mais après, si tu veux, j'ai aussi une cousine. C'est ma tante en même temps. Je m'en fous, vas-y, mais commence pas à m'énerver, t'as vu? Genre, ah non, je vais pas t'énerver. Mais voilà, alors, t'as vu, ta famille, c'est ta famille. Ouais. Voilà, moi je suis né avec mon frère, j'aurais pu venir tout seul, mais je suis né avec lui. Donc frère, c'est voilà, ça. C'est tout. Bah, frère, cousin, frère, soeur, ou frère, cousine. On est des hommes, on est des vrais. Dans voilà, on est bien entre couilles, mon pote. Ok, d'accord. Sinon, moi aussi, mais après, genre, je t'avoue que tu vois, genre, moi je m'attendais pas à que tu viennes avec quelqu'un. Tu croyais venir avec qui? Non, mais ça me gêne un peu, tu vois, je pensais que t'allais venir seul. C'est mon frère, la montre, elle a nous deux. La montre, c'est. Elle a lui, elle est à moi, mon pote. Ok. C'est un héritage, un cadeau, elle a nous. Mais du coup, en fait, moi je t'explique. De base, j'étais pas là pour la montre, en fait. Je cherchais des profils sur Facebook d'hommes, tu vois. Ouais. Oh. Quoi, oh? Et attends, finis ta phrase, donc je ménage. Je cherchais des profils d'hommes sur Facebook. Et je suis tombé sur ton profil. Ouais. Et du coup, genre, j'ai voulu te contacter, t'envoyer un message, tu vois. Parce que je trouvais que t'avais un certain charme et tout. Oh. Tu parles. Comment ça, non, je me trompe pas dans mes mots, genre je t'ai trouvé beau gosse quoi, clairement. Mais tu l'as pris pour qui? Bien monté. Écoute, on est venu pour une montre, tu veux l'acheter ou tu veux pas l'acheter? Non, mais t'as vu, je me suis dit lui il est bien monté, du coup il va bien me démonter. Oh oh, calme-toi, pourquoi tu me pousses? Oh, s'il te plaît, t'as vu? Pourquoi la violence? Pourquoi la violence? Parce que je pense que t'as une casquette rose. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? On reste tranquille. On est venu pour la montre, ça sert à rien de s'embrouiller les gars, franchement. Mais c'est toi, pourquoi tu me dis que t'es venu me pécho, je sais pas quoi, tu m'as bien monté, je vais te démonter. C'est bon. On va parler de la montre et puis attends, c'est bon. Oh, laisse-moi parler quand je parle, est-ce qu'il est grand frère ici? C'est bon, on parle de la montre, c'est grand frère ici. On est venu pour le montre ou on est pas venu pour le montre? Vous embrouillez pas, les gars. Arrête de nous embrouiller toi aussi. Je vous embrouille pas. Tu me dis que tu veux me démonter, moi je vais te démonter, mais d'une autre façon. C'est bon, frère, tranquille. On redescend. Écrase mon tête comme ça. On redescend. Je comprends pas là, où est le problème? Je vous parle gentiment. Le problème? C'est que tu me parles d'une montre, tu dis que tu veux me démonter, j'ai pas compris, bien monté. Déjà, pourquoi tu regardes mes photos Facebook? Bon, stop, on parle de la montre. Voilà, d'accord. C'est bon. Vous embrouillez pas, vous m'embrouillez pas. Ah, c'est bon. Donc, moi, je suis venu avec la Versace, comme on avait dit, pour faire l'échange. Donc, c'est une authentique. C'est la même que tu m'as montré en photo. Voilà, donc on avait dit. Montre-le derrière comme ça et tout. Ouais. Elle est belle, hein. Attends, fais, l'abîme pas, sinon. Tu la casses. Ah, on va pas l'abîmer, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Hop. Et du coup, genre, tu peux voir la montre vite fait là? Alors j'avais juste une petite question d'ordre un peu technique, tu vois. Est-ce que par hasard t'aurais la facture? La facture, ouais, je l'ai, ouais, la facture, ouais. Ouais, ouais. Elle est où? Bah c'est une... Ah non, en fait, ouais, non, putain, j'ai pas eu de facture, en fait, t'as raison. T'as pas de facture? Mais non, parce que comme... en fait, si tu veux, c'est un héritage. Genre la montre. Ouais. Le patron du Hublot. Ouais. Parce que c'est une Hublot, tu l'as bien vu. Ouais. Le patron du Hublot, il connaît mon père. Il connaît ton père? Notre père, il le connaît. Comme si c'était des frères. Lui, c'est ton père? C'est mon frère, lui. Arrête, repars pas dans des délires. Mais je comprenais pas. Genre. Je suis pas m'énerver. Ok, t'es là pour la montre. Ton daron? Voilà, mon père, s'il te plaît, respecte-le. Ouais. Respecte.
Mon père, il connaît le patron du hublot. Ouais. Voilà, mon petit frère, il a eu un caprice, il voulait une montre hublot. Mon père, il allait voir le patron, il a dit voilà, ça va être l'anniversaire du petit, fais-lui une montre cadeau. Ok. Il a réuni tous ses ouvriers, tous ses meilleurs techniciens. Ils ont dit voilà, vous me faites la meilleure montre, je veux qu'elle soit unique. Monsieur Hublot en personne, Monsieur Hublot en personne, comme un frère pour mon père. Comme un frère, genre. Ouais. Ouais. Attends, tu m'embrouilles. Vous me dites vous êtes frère, et genre lui, il a aussi un frère qui est comme son frère, genre. Comme son frère, c'est... ils se connaissent depuis petit. En gros, ça veut dire comme son frère, ça veut dire en gros sa mère et son père ou son père et sa mère. Oh, parle pas de ma grand-mère comme ça. Non, je... Non, y'a rien, non. Ok. C'est des potes. Des potes. T'as bien un pote que c'est comme un frère pour toi. Tu l'aimes comme ton vrai frère. Y'a un pote, genre j'ai fait des trucs avec sa mère. On s'en fout. Du coup, genre... Écoute ça. On est frères, le patron du blot et mon père, ils sont grave potes, c'est des meilleurs amis. Voilà. Simple, ça s'arrête là, mon pote. En gros, vos parents, à vous deux. Vos parents à vous deux, ils ont fait des trucs genre ensemble. Genre... Ouais, mais normal, on est là. Ton père, il a pris sa mère, en gros. Écoute, t'énerve pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on va pas se rappeler, gros. Calme-toi. Bon, tu t'énerves comme ça. On est là pour la montre. Tranquille, laisse-moi parler de ma mère, laisse-moi rouler, ma mère. Ok. On arrête. On se parle de la montre. Donc, moi, je viens pour la montre Hublot. On te l'a montré. Okay. Alors je t'explique. Maintenant, range-la, s'il te plaît. Alors maintenant, je t'explique. En fait, moi, si je voulais une montre Hublot, c'est parce que bientôt je pars en croisière. Et genre, en fait, j'ai un ami, tu vois. Enfin, c'est un ami, mais aussi, c'est aussi mon frère. Et c'est aussi mon oncle en même temps. C'est notre gueule. Et en gros, il m'a dit qu'en fait, dans le bateau, il fallait que j'ai un Hublot, genre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est trop con, ce mec. Pourquoi ? Oh, c'est pas possible. Un Hublot, c'est ce que c'est ? Et il m'a dit faut un hublot. C'est une fenêtre dans le bateau pour voir la mer, mon pote, dans ta cabine. Oh. Mais c'est aussi la montre, t'inquiète pas. Non, mais après, si t'as une montre hublot avec le hublot, franchement, tu vas être OP. Hein. Parce que moi, bah, si c'est ça, je veux pas la montre, alors je la prends pas. La montre, en fait, après, va être utile. T'as aussi, vu le créateur de hublot, celui qui a créé les hublots. Au moins, tu pourras raconter une anecdote et tout, tu vois. Ouais. Mais ça, y'a que nous qui le savons. Ah, le créateur de hublot. Dis-le pas trop, parce qu'il y a que nous qu'on le sait. Ok. On est dans l'usine, on a vu comment il faisait. Ouais. Donc maintenant. Tu gardes ça pour toi, t'as déjà un petit secret. Moi frère, je te dis juste, je veux bien faire l'échange, tu vois. Ouais. Mais ton histoire elle me paraît un peu farfelue, tu vois. Pourquoi farfelu? Tu doutes des amitiés de mon père? Non, je doute pas de tes amitiés, mais genre... Mais genre quoi? Je sais pas, si ça me paraît... Est-ce que ça te dérange pas si je parle 2 minutes à ton frère? Vas-y, va parler. Deux minutes. C'est mon frère, si t'as envie de dire quelque chose, je le dis devant lui. Ouais, c'est bon, viens, je vais juste te dire un truc. Vas-y, va parler. J'en ai pour 2 minutes, je te dis juste un truc, tu vois. Ah gros, t'as vu le mec là, derrière toi là. Mais, je vais te le montrer. Non, regarde. Je vais te le montrer discrètement. Pourquoi tu me touches la main? Regarde, lui là. C'est mon frère, lui. Chut, parle pas fort. Qu'est-ce que tu as comme mon frère? Rien du tout. Ok, écoute. T'as vu le mec juste à ma gauche là? Il est bizarre, frère. Oh, mais t'es un frère. En fait, je le sens. Oh, tu es mon frère. Oh, calme-toi, il va nous entendre. En fait, je le sens. Je le sens un peu trop, justement. Non, y a rien, je voulais. Lui parler. Ah, tu sais quoi? On peut parler de la montre ou pas, s'il te plaît? Ouais, tu sais quoi? Je te parle 2 minutes. Je parle 2 minutes à ton frère. Toi, t'es un fou, toi. Non. Viens, je te parle 2 minutes, frère. C'est bon. Je te donne 30 secondes. C'est pas sûr. Je lui parle. On va négocier vite fait. Oh, frère. Ouais, t'es sûr? T'as vu le mec derrière? Le mec à ma droite. Oh là, je vais te le montrer discret. Lui là. Ouais. Je suis là, genre. Ouais. Je le sens pas du tout, frère. Comment ça, tu le sens pas? Je crie pas, il est bizarre. Mais c'est mon frère, trop. Je crie pas, frère. Pourquoi tu cries? Attends, il t'a dit quoi? Il m'a dit ouais, l'autre là-bas, je sais pas quoi, regarde, je le sens pas, je sais pas quoi. Mais tu veux qu'on te fasse quoi? Tu veux qu'on te fasse quoi? Rien, c'est bon, c'est t'as bon. Dit quoi? Il m'a dit ouais, le mec à ma droite, je sais pas quoi, Nani, il est bizarre, je sais pas quoi. C'est bon. T'es un malade, ce pote. Reste tranquille, frère, c'est fou, toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu on va te casser, toi. Pourquoi? C'est bon. On va repartir avec ça. C'est bon, touche pas la montre. Stop. On va s'arranger. Arrête de me dire stop, on va s'arranger. Oh, tu vas pas lui venir. Mais c'est bon, viens, on lui prend la montre et puis c'est tout, le gars. On va prendre la montre. On va s'arranger, c'est bon. Moi, ouais, y'a pas de soucis, tu vois, je te fais l'échange et tout. On fait comme on a dit. De nous monter là, tu vois, pas s'énerver là, que toi. C'est bon, on va pas s'énerver pour rien. Ouais, on est venu là pour la montre, simple. Bon. Toi, il nous fait encore un coup comme ça. On lui casse les jambes, on prend sa montre, on se barre. Mon pote, tu vas perdre ta montre et t'auras pas de montre. Et ta casquette, je la prends aussi. Tu nous racontes des histoires de je sais pas quoi, ta cousine ou je sais pas quoi, mon pote, on s'en bat la rage. Oh, mon frère, c'est mon sang. Ouais. Mon frère, je fais confiance, les yeux fermés, je fonce. Ok, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais te passer la montre. Voilà. Non, se met un peu, parce que j'ai un peu chaud, là. Pourquoi t'as un peu chaud? C'est un peu, je suis en chaleur, un peu, en ce moment, t'as vu. Ouais. Toi, tu veux continuer, oh. Là. On veut qu'on te fasse quoi? Non. Rien, c'est bon. Vas-y, je peux juste voir la montre. Ma montre, elle est là, ça fait 10 minutes que je te la montre. Vas-y, je peux la prendre 2 secondes pour voir, et après, je vais te passer, je regarde un peu au soleil, t'as vu? Fais voir. Attends, je la mets un peu au soleil, genre, pour voir un peu comment c'est, genre. T'as pas besoin de la mettre au soleil, non, mais c'est une montre, c'est bon, tu l'as vu? C'est pour voir, genre, si juste, attends, fais voir, recule un peu, tu fais de l'ombre. Recule, vas-y, écoute, c'est que je vais te boumer. Recule un peu, tu fais de l'ombre, recule encore un peu, ça fait de l'ombre, j'arrive pas à voir. L'ombre, elle est là, elle est pas là. Mais recule un peu, s'il te plaît. C'est bon, recule un peu. Okay, attends, 2 secondes, je regarde, genre. Tu fais quoi? Ah, frère, c'est bon.
Calme-toi, calmez-vous, 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 calmez-vous. Ouais, c'est qui lui? Ah, bougez pas, bougez pas. Pourquoi t'as ramené un gorille là? En fait, c'est marrant parce que c'est deux là. Ah, frère, calme-toi, tranquille. Il a un bâton, il chope pas, il fait 3 tonnes. 2 minutes, je vais juste faire un truc, je vais chercher les sous à la voiture pour te rembourser la montre. Parce que je vais casser sur 20 exprès. Je vais faire, mais juste reste avec eux 2 minutes, tu les tiens là s'il te plaît, gros. Ouais, et je reviens, vous bougez pas, ok? Vas-y, Simon, casse-toi. C'est bon? Ramène les sous. Vas-y, restez tranquille, c'est bon? Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, j'arrive, je vais à la voiture. Ah, gros. Ah, j'ai pas trouvé les sous. Par contre, genre, tu devrais aller voir ta voiture. T'as vu ta voiture? La voiture blanche, c'est la tienne là-bas? Non. Ouais. Genre, c'est la seule dans le parking. Là. Va voir derrière là, il y a au pneu arrière, il y a un truc genre. Y'a quoi ça? Va voir. Non, vas-y, va voir avec lui. Y'a fait quoi la voiture? Je sais pas, y'a un truc dans le pneu genre. Va voir au pneu, genre, c'est pas, j'ai trouvé un truc bizarre. Ça fait comme un psss. Ah gros,